Analyser une rupture sentimentale, c'est une clé essentielle. Bien souvent, vous avez du mal à comprendre la séparation et donc la philosophie d'une reconquête amoureuse. Et pourtant, c'est la clé pour récupérer son ex. Car sinon, vous allez avancer sur les sentiments et vous allez faire fuir votre ex car vous n'avez pas bien analysé la rupture sentimentale. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de James D, votre expert en reconquête amoureuse et développement personnel. Et dans cette vidéo, on va voir analyser la rupture sentimentale, une clé essentielle. Alors pourquoi analyser la rupture est essentiel pour récupérer son ex? Car si vous ne faites pas ce travail, vous faites une erreur majeure dans votre reconquête amoureuse. Vous allez miser sur les sentiments avec les questions que vous me posez tous les jours en coaching. Est-ce que mon ex m'aime encore? Est-ce que mon ex a encore des sentiments? Etc. Mais une rupture, ce n'est pas une question d'amour, de sentiments, mais bien une question de bonheur et d'épanouissement personnel. La rupture amoureuse veut dire « je ne suis pas heureux dans cette relation » et non pas « je n'ai plus de sentiments ». Pour analyser la séparation amoureuse, il faut se positionner du côté de l'épanouissement. Réfléchissez bien. Étiez-vous si heureux dans cette relation? Étiez-vous si heureux dans votre vie? Je suis sûr que vous avez la réponse et que celle-ci est bien souvent négative. En tout cas, votre ex, c'est sûr, il ou elle n'était pas heureux. Sinon, il n'aurait pas choisi la rupture sentimentale. Ainsi, plutôt que de miser sur les sentiments et d'être en réaction par rapport à votre ex, cherchez plutôt à analyser la rupture. Pourquoi votre ex est parti? Qu'est-ce qui n'allait pas dans votre relation? Quelle est ma part de responsabilité dans cette rupture sentimentale? Et qu'est-ce que j'aurais dû faire ou ne pas faire pour éviter cette rupture? Posez-vous bien ces questions. Comment je peux changer afin de montrer à mon ex qu'une nouvelle histoire d'amour est possible? Et surtout, qu'elle soit beaucoup plus épanouissante. Comprenez bien que cette rupture était inévitable, car votre ex et vous n'étiez pas heureux. Analysez les causes de la rupture sentimentale et mettez véritablement un changement en place. Alors n'hésitez pas si vous avez besoin à prendre une séance coaching, je vous ai mis le lien dans la description. À vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos et à me mettre un petit pouce bleu pour me dire que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec James D.